Ok. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette première web conférence. J'ai avec grand plaisir de vous présenter Jérôme Ouarot, qui est très connu sur le blog Pourquoi entreprendre et en même temps sur Créa Présent. Et ce soir, nous allons discuter pendant un petit moment sur justement l'esprit d'entreprendre destiné pour les graphistes. Alors, Jérôme, première question, qu'est-ce que les soft skills? Alors bonsoir Cédric, merci beaucoup de m'accueillir sur ton plateau, hein, sur ton Pour site cette qui est très grande connu aussi dans le première. monde du graphisme. Oui. Donc bon bah très bonne question. C'est quoi les soft skills? C'est vrai que ce n'est pas un terme qui est très répandu encore en France, mais qui a quand même beaucoup de sens. Donc c'est un terme anglo-saxon qui représente un petit peu donc ces compétences intangibles. Des compétences qu'on n'a pas apprises à l'école. Donc ça va être par exemple toi en tant que graphiste, tu as des compétences techniques, des hard skills, des compétences dures, qui sont par exemple l'utilisation de Photoshop, d'Illustrator, des compétences voilà l'utilisation des compétences liées à l'utilisation de certains outils oui, qui sont directement liés à ton métier. Et à côté de D'accord. ça, il y a toutes les autres compétences intangibles, les soft skills que tu utilises dans ton quotidien et que vous, si vous êtes graphiste également, l'utilisez. Ben, ça va être par exemple la créativité. Ça va être par exemple aussi l'esprit d'analyse, la curiosité, la persévérance. Toutes ces compétences qui se travaillent et qui ne sont pas des talents innés ou liés forcément à votre personnalité, mais sont vraiment des compétences que vous pouvez développer dans votre quotidien à travers donc des réflexes, des entraînements, etc. Et ce qui est intéressant avec les soft skills, c'est qu'elles sont utiles, mais pas uniquement que pour votre métier. Donc, par exemple, l'utilisation de Photoshop ou d'Illustrator, c'est vraiment assez spécifique au métier de graphiste et peu utilisé dans d'autres métiers. Alors que la créativité, de manière générale, elle va être utile donc pour plein de métiers différents, pour plein de situations professionnelles et personnelles différentes. Et ce qui fait que les soft skills sont vraiment des compétences transversales. Donc c'est à la fois des compétences humaines, c'est-à-dire qui vient de soi, donc la créativité vient vraiment de toi, c'est ta créativité, contrairement à des compétences techniques qui sont des compétences un peu plus standards, qui sont liées généralement à un parcours de formation, etc. Donc voilà un petit peu une brève présentation des soft skills et bah, pour en savoir plus, hein, y a aussi le livre. Tout Le à réflexe fait. soft skills, donc J'en chez les profite pour le éditions Bibo. présenter. J'en Voilà, profite que pour le tu l'as, présenter. voilà. Que j'ai depuis un petit moment parce que ça m'intéresse beaucoup cette question de soft skills. Donc, comme je l'ai expliqué dans le chat, hein, pour ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. C'est avec grand plaisir que moi-même ou Jérôme allons pouvoir y répondre. Alors, moi, j'ai justement une deuxième question à te poser. C'est qu'est-ce que tu veux dire par esprit d'entreprendre? Qu'est-ce que l'esprit d'entreprendre pour les graphistes? Alors bah déjà, dans esprit d'entreprendre, il y a vraiment ce mot-clé qui est entreprendre, qui est aussi un mot-clé de mon blog Pourquoi entreprendre? En fait, donc l'esprit d'entreprendre, c'est une soft skill, une des soft skills les plus importantes, quel que soit le métier, et c'est cette capacité à rester et à être entreprenant malgré donc les difficultés ou quelles que soient les situations. Donc concrètement, ça va être comment rester proactif, comment rester optimiste, comment conserver une vision, créer du sens dans son métier. Et pour être plus spécifique, hein, dans l'ouvrage, on a défini quatre autres soft skills qui vont alimenter cet esprit d'entreprendre, donc cette soft skill. Donc il y a tout d'abord la visualisation, capacité à créer une vision, à visualiser quelque chose, donc que ce soit un objectif. Voilà, bah, au départ, lorsqu'on veut créer, j'imagine, hein, lorsque tu veux créer un logo, tu essaies de visualiser un petit peu ce que le client chercherait à projeter comme image ou son objectif. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore palpable, mais que tu essaies donc de visualiser dans ta tête. Donc, c'est vraiment une soft skill, je pense, hein, hyper importante lorsque l'on est graphiste. Et ce qui est assez lié également à une autre soft skill, bah, la créativité dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui va permettre donc de trouver toujours de nouvelles images,
de nouvelles solutions à des problèmes. Donc, il y a également l'optimisme, cette capacité à rester concentré sur son objectif et à y croire malgré les échecs, les erreurs ou les difficultés auxquelles on fait face. Donc, il y a un autre mot que j'utilise, que j'aime bien utiliser également, c'est la résilience, la capacité à encaisser par exemple un échec ou une erreur et à rebondir pour toujours aller de l'avant. Et ensuite, une autre soft skill très importante pour rester entreprenant, c'est l'engagement. La capacité à rester engagé sur ce que l'on dit et faire ce que l'on dit. Vraiment aller jusqu'au bout des choses. Donc, c'est lié au fait d'oser, déjà oser s'engager à faire quelque chose. J'ose créer un logo, j'ose créer un cahier des charges. Et ensuite, la persévérance qui va derrière, parce que le client va peut-être demander à 6 reprises de refaire le logo. Donc, ça peut être vraiment ennuyant, décourageant. Donc, cette soft skill fait également partie. Donc, grosso modo, l'esprit d'entreprendre, c'est une grappe de soft skills qui va vous aider à être plus entreprenant dans votre métier. Donc, tout à fait. D'ailleurs, c'est là-dessus que je veux rebondir, hein. C'est qu'en tant que graphiste, on n'est pas uniquement là, en quelque sorte, pour dire de réaliser ou de créer le logo, vu que tu prends le logo comme exemple. Mais on est surtout là aussi également pour moi, ce que je dirais là-dessus, c'est d'être un petit peu aussi dans la pédagogie avec son client pour justement l'aider à lui faire comprendre justement cette vision, pourquoi on voudrait l'orienter vers telle ou telle direction en fonction de ce qu'on veut lui réaliser. Donc, c'est une chose à laquelle je voulais rebondir. Il y a Pierre Kaiser qui dit que les coachs sont les psys des entrepreneurs. Est-ce que tu veux réagir sur ça? Les coachs sont les psys des entrepreneurs. C'est une belle image. Cependant, la différence entre les psys et les coachs, donc il y en a une quand même, c'est que les psys, ce sont des thérapeutes. Ils sont là pour réparer ce qui ne va pas. Donc, généralement, on se repose sur le passé de la personne pour essayer donc de réparer ce qui est cassé. Alors que les coachs, eux, se reposent généralement sur le présent pour construire le futur et vraiment bâtir avec la personne. Donc, il y a une co-construction avec la personne pour aller de l'avant. Alors que le psy, il y a quand même cette hiérarchie où le psy écoute un petit peu son patient. Là, le coach et le client, entre guillemets, sont au même niveau pour qu'on construise ensemble et avancer ensemble. Donc, le coach ne répare pas. La personne qui est coachée, elle est déjà capable d'avancer. Alors que pour le psy, il y a quand même cette notion donc, de réparer. Donc, un entrepreneur peut autant avoir besoin d'un psy ou d'un coach, ou l'un ou l'autre. Les deux ne sont pas opposés, mais souvent complémentaires. Tout à fait. Tout à fait. Et notamment, donc, en tant que coach, qu'est-ce que tu nous conseillerais justement pour améliorer notre créativité quand le matin on se réveille et qu'on n'a pas la grande forme? Alors là, tu touches un autre point. Donc, il y a une différence entre psy et coach, mais il y a aussi une différence entre coach et consultant ou conseiller. Parce que le coach, normalement, n'a pas vocation à donner des conseils. Le coach est là pour faire prendre conscience à la personne, à poser les bonnes questions pour aider à la personne de trouver des solutions par elle-même. Alors que le consultant, le conseiller sont là pour conseiller, apporter des conseils. Donc là encore, hein, il n'y a pas d'opposition. Ce sont deux métiers différents qui sont complémentaires également. Donc, moi, en tant que coach, je ne vais pas proposer des conseils. Ce que je vais peut-être proposer, ce sont peut-être des outils, des réflexes ou des entraînements qui vont permettre donc à des graphistes à améliorer leur créativité. Donc, déjà, voilà pour rebondir sur la notion de conseil et de coach. Donc, après, pour répondre à ta question, est-ce que je pourrais proposer donc, voilà, des petits leviers pour aider à développer sa créativité? Il y a un outil que j'aime beaucoup et que je partage souvent avec les étudiants, donc lorsque j'enseigne en école de management, c'est de questionner un objet. Donc, ça peut être une œuvre d'art, donc par exemple un tableau.
questionner un tableau, mais questionner pour en créer une histoire. Donc, l'histoire du tableau, qu'est-ce que la personne a voulu faire, créer pour partager quelque chose. Donc, ça peut être, par exemple, là, je suis en train de voir un sticker avec un R et qui ressemble à un logo. Et là, je peux me dire, donc voilà, bah, pourquoi le créateur a fait cette image de cette manière-là. Et en répondant à cette question-là, je vais créer une histoire. Et donc là, on entre dans une deuxième phase de créativité qui est le storytelling. Et là, je vais faire du storytelling et de l'improvisation. Donc, c'est un exercice assez intéressant parce que c'est à la fois un exercice pour développer sa créativité, mais aussi sa capacité à discourir. Donc, discours, concrètement, sa communication orale. Parce que donc là, on va raconter une histoire, donc tant qu'à faire, autant faire du storytelling avec les gestes, les intentions, varier le ton, essayer de dynamiser. Et donc, c'est un petit exercice, un petit réflexe intéressant à adopter si vous voulez entraîner votre créativité et en plus votre curiosité. Tout à fait. Justement, j'étais en train de me dire que c'est vrai que par moments, ce n'est pas toujours évident. Surtout d'un aspect technique, d'expliquer pourquoi on a pris tel chemin ou tel. Moi qui travaille beaucoup au feeling, c'est vrai que quand je me lance, admettons, sur Illustrator ou sur Photoshop, bon, voilà, je suis un peu comme le peintre qui prend son pinceau et qui commence à peindre sa toile sans forcément avoir un but précis. Donc, est-ce qu'il y a des choses à améliorer au niveau des soft skills vis-à-vis de ça, ou qu'est-ce que tu aurais également comme conseil à donner ? Alors là, ça rejoint un petit peu à la question que pose Laetitia. Est-ce que, donc j'ai déjà travaillé avec un graphiste, et si oui, est-ce que je peux commenter cette expérience ? Mm-hmm. Donc, c'est vrai que la créativité est une soft skill très importante. Par contre, je pense que lorsque l'on est graphiste, l'intérêt n'est pas d'être artiste et de faire une création artistique, c'est-à-dire de produire quelque chose pour le monde entier, mais c'est vraiment donc de répondre à un besoin qui est le besoin du client. Et donc du coup, ça fait entrer en jeu d'autres soft skills qui sont par exemple donc l'analyse, la capacité à analyser le besoin d'un client, à comprendre son besoin, ses envies, et de bien dissocier les deux également. C'est-à-dire que le client peut avoir envie de quelque chose, mais ce n'est pas forcément ce dont il a besoin. Et donc là, c'est intéressant donc, d'avoir également donc, cette prise de recul, de savoir dissocier les deux, et ensuite d'avoir la pédagogie pour lui faire comprendre, comme tu disais tout à l'heure, bah, oui, peut-être qu'il a envie de ça, mais en fait, par rapport à ce qu'il a vraiment besoin, ce n'est pas ça qu'il faut. Donc, et ça rejoint un petit peu, bah, du coup, comment canaliser sa créativité par rapport à ces contraintes qu'on se serait fixées. Donc du coup, c'est vraiment des questions à poser, les bonnes questions à poser, l'analyse des analyses à faire, et voilà un petit peu sur quoi généralement je travaille avec les graphistes. On a travaillé ensemble là-dessus également. Tout à fait. Il y a ce côté-là, mais après il y a tout ce qui gravite autour, hein, le relationnel client, comment savoir justement être diplomate, pédagogue, quand savoir relancer pour un point de vue un petit peu plus, on va dire, opérationnel. Voilà, j'envoie des emails, il ne répond pas, comment donc essayer de le relancer avec tact. Donc ça est également sur l'aspect communication, comment je peux mieux me vendre en tant que graphiste par exemple. Donc ça touche un petit peu à ça. Et donc, du coup, pour revenir sur ta question par rapport à la créativité, je pense que ce qui est important, c'est de savoir la canaliser pour être sûr qu'elle réponde aux besoins du client. C'est de savoir se créer un cadre à travers donc un questionnement avec le client. Tout à fait. On n'en a pas reparlé au début de la webconférence, mais vous avez pu le constater sur l'article, hein, il y a un petit jeu concours. Il est d'ailleurs juste au-dessus de la fenêtre de la vidéo pour gagner une demi-heure de coach avec Jérôme. Est-ce que tu veux nous briefer un petit peu sur justement ces 30 minutes que tu proposes ? Oui, bah, en fait, donc c'est en 30 minutes concrètement, bah, c'est d'identifier un petit peu ce dont vous avez besoin, hein, sur vos besoins en soft skills notamment.
Donc, par exemple, par rapport à votre contexte actuel professionnel, peut-être que vous aurez besoin de plus de pédagogie que de créativité, ou inversement, plus de confiance en soi, etc. Et suite à ce besoin, bien se fixer un objectif et ensuite de travailler ensemble sur comment, quelle action mettre en place pour atteindre cet objectif. Et ensuite, c'est de permettre donc d'avancer comme ça, de manière très claire sur ce dont j'ai besoin, les objectifs qui répondent à ces besoins et ensuite les actions pour concrétiser ce dont on a défini. Donc souvent, ça va passer par des réflexes à adopter, donc des petites choses simples à mettre en place au quotidien pour s'entraîner. Et finalement, ces réflexes sont intéressants à la fois pour développer ses soft skills, mais aussi pour améliorer ses situations. Donc, ça va être vraiment généralement des réflexes qui ne sont pas là pour alourdir le quotidien de la personne, mais pour au contraire le fluidifier et prendre conscience donc des soft skills qu'on développe grâce à ces réflexes. D'accord. Donc voilà, si vous voulez gagner ces 30 minutes avec Jérôme, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il nous reste quelques minutes, donc profitez-en pour justement retweeter ou tweeter le petit tweet qui est juste au-dessus de la vidéo. Que dit Laetitia? Voilà, donc elle demande si j'ai travaillé un peu plus sur l'aspect entrepreneurial des graphistes. Moi, clairement, c'est vraiment vraiment là-dessus que je travaille le plus, hein. C'est vraiment sur l'esprit d'entreprendre. Et ça va être, donc, comme on le décrit dans l'ouvrage, tout d'abord de faire un état des lieux de ses soft skills, quels sont ses points forts et quels sont les points sur lesquels on aimerait s'améliorer. Et ça touche pas forcément qu'au métier de graphiste, parce que toi, par exemple, Cédric, oui. Tu es graphiste, oui. Mais tu es aussi freelance, tu es entrepreneur indépendant. Donc, tout à la fois, tu as besoin donc de développer des compétences donc dures type hard skills et aussi des compétences douces type soft skills liées directement à ton activité de graphiste lorsque tu effectues des tâches de graphiste. Mais tu as également besoin de toutes ces compétences aussi entrepreneuriales liées au créateur d'entreprise ou du travailleur indépendant qui va consister également à savoir mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit, à savoir être plus impactant face à un client, à savoir être plus endurant face à la difficulté. Et moi, concrètement, donc dans mes coachings, j'ai travaillé principalement sur trois points qui impactent beaucoup d'autres. Donc, c'est sur la vision. Donc, par exemple, en tant que graphiste, qu'est-ce qui me différencie des autres? Quelle est ma vision? Et quel est le sens de mon action? Ensuite, ma motivation. Donc, le deuxième point, c'est le carburant qui va alimenter un petit peu la machine parce que lorsqu'on est plus motivé, on avance mieux et plus facilement. Et ensuite, la résilience, savoir faire face à des échecs et rebondir parce que tout ne se déroule pas forcément comme prévu. Moi-même, j'ai fait face à de nombreux échecs et j'en fais encore, l'expérience. C'est pour ça que je peux dire que je sais de quoi je parle lorsque je parle de résilience. Et du coup, voilà, c'est principalement là-dessus. Et ça touche pas uniquement au métier de graphiste, mais ça touche également au fait d'être freelance et indépendant, entrepreneur indépendant. Donc voilà, Laetitia, j'espère avoir répondu à ta question. Et justement, est-ce que tu as encore des conseils à donner vis-à-vis de ces passages où justement, suite à un échec ou suite à une mauvaise expérience avec un client qui s'est mal déroulé. Donc généralement, on est un petit peu déçu de cette période-là. Quel conseil donnerais-tu justement pour allez hop, on repart. Après tout, c'est pas qu'un client ou qu'une erreur qui va mettre le moral à zéro. Donc justement, qu'est-ce que tu conseillerais de faire dans ces moments-là pour dire de passer à autre chose assez rapidement et se concentrer sur l'essentiel. Après, ça dépend vraiment des personnes et des profils. Moi, je peux proposer une panoplie de réflexes à adopter, mais qui ne sont pas forcément adaptés à toutes les personnes. Donc, si par exemple, vous êtes de type hyperactif et lorsque vous faites face à un échec, ce qui est généralement intéressant, c'est de tout de suite s'occuper sur un autre projet, de passer à quelque chose d'autre pour pas ressasser et entretenir un petit peu donc les pensées négatives suite à cet échec en essayant de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Donc, l'idée, c'est de
de faire le deuil assez rapidement en passant par une phase de questionnement, bien entendu, parce que l'intérêt des échecs, ils sont très utiles en fait, hein, donc ils sont très désagréables, mais en même temps ils sont très utiles dans une aventure entrepreneuriale parce qu'ils permettent aussi d'apprendre, sont des enseignements. Donc voilà, le premier réflexe généralement, en tout cas que j'adopte et que je propose à mes clients d'adopter, c'est de tout d'abord de transformer l'échec en enseignement. De toute façon, il est là. Voilà, vous êtes perdu le client. Donc, s'il est vraiment perdu, du coup, autant avancer et commencer par essayer d'apprendre de ce qui n'a pas marché. Donc, en questionnant, donc voilà, pourquoi ça n'a pas marché, comment mieux faire par la suite. Et pour tout ça, donc peut-être le mettre dans un tableau Excel. Bah, par exemple, moi, j'ai un tableau Excel où j'ai la liste des enseignements de ce que j'ai pu faire, donc des enseignements qui comprennent aussi bien des réussites, mais aussi des non-réussites, des échecs. Et ensuite, de passer à autre chose, en tout cas, pour éviter donc de ressasser ce qui s'est mal passé. Donc voilà un réflexe parmi tant d'autres à adopter, ce qui n'est pas forcément la formule magique pour tout le monde, mais que j'utilise à titre personnel, que je conseille à des clients. D'accord, merci beaucoup. Bah, éventuellement, vu que nous sommes plusieurs graphistes à participer à cette soirée, est-ce que toi, aurais-tu des questions à nous poser par rapport à notre métier ou pour approfondir cet échange? C'est vrai que moi, je ne suis pas graphiste. Donc après, c'est juste en ayant travaillé avec des graphistes que j'essaie de me représenter un petit peu la réalité de ce qu'est le quotidien professionnel d'un graphiste. Mais du coup, là, une question qui me viendrait en tête par rapport à ces piliers résilience et motivation, c'est généralement quels sont en tant que graphiste, quelles ont été tes plus grosses difficultés ou des moments les plus désagréables auxquels tu as dû faire face en tant que graphiste? Le moment le plus désagréable, c'est quand tu tombes sur une situation où, comment dire, surtout quand tu démarres, hein, tu fais beaucoup de tests. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est graphiste qu'on est obligatoirement tout de suite dans un état d'esprit d'entreprendre. Du moins, on n'est pas tout de suite patron, donc faut le temps de trouver ses repères. Et ce qui a été difficile plus ou moins, c'est trouver le juste milieu de voilà. Je pars du principe que je dois créer un devis. Ce devis doit prendre en compte le temps passé pour la prestation lui-même et donc différents éléments, hein, qui viennent à constituer ce devis. Et une fois que le client le valide, voilà, tu te rends compte que tu fais des erreurs. Par exemple, moi dans mon cas, ça m'est arrivé à l'époque où je mettais pas une quantité au niveau des maquettes, du nombre de maquettes que je pouvais proposer, admettons, pour la création d'un logo. Et la question aussi de pouvoir mettre en place un délai, c'est-à-dire que au-delà de X jours, que la personne ne t'a pas répondu, ce qui a été mon cas récemment. Lui dire stop, voilà, on arrête là, on arrête les frais là maintenant tout de suite, et si maintenant vous voulez d'autres modifications, grosso modo, vous mettez la main au portefeuille, quoi. Donc, ça, c'est une expérience que j'ai vécue, c'est une expérience qui m'a permis au final de justement mieux approfondir et améliorer mes conditions générales de vente. Et qui me permet aujourd'hui d'avoir des leviers où le client est au courant d'entrée de jeu par rapport aux conditions générales de vente, que voilà, arrive à un moment où si tu me admettons ce serait toi le client, tu me donnerais pas de suite aux dernières maquettes que je t'ai envoyées. Grosso modo, on en arrête là. Et si tu veux aller plus loin, justement tu payes, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est des erreurs que, comme je me dis et ce que je dis parfois souvent aussi sur mes articles, c'est qu'il n'y a pas d'école
ou du moins, moi, je suis sorti d'école en 98, donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'école à être patron, il n'y a pas de formation pour devenir patron ou devenir entrepreneur. Autre ce qu'on peut trouver par le biais de ton blog, pourquoi entreprendre. Mais donc voilà, j'ai appris sur le tas. Ce qui D'accord, mais justement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que oui, j'imagine que pour toi, c'était très désagréable de faire face à ces situations, mais que finalement, aujourd'hui, là, si je te demande comment tu te sens par rapport au fait d'avoir vécu ces situations et d'avoir tiré des enseignements qui font qu'aujourd'hui, tu feras plus les mêmes erreurs. Comment tu te sens par rapport à ça maintenant? Justement, bah, par rapport à ça, c'est que maintenant, le fait que ce soit écrit noir sur blanc, le fait que voilà, les clauses, elles sont un peu plus cadrées, je me sens beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de ça. Donc, c'est peut-être bête de le dire comme ça, mais ça laisse pas le choix au client. Et je pars aussi du principe que c'est dans l'intérêt du client de cadrer un petit peu les échanges. Parce que, comment dire, je commence un logo, admettons aujourd'hui, je l'envoie dans l'heure ou le lendemain au client, plus souvent le lendemain. Mais si la personne me répond que dans 3 semaines, au bout d'un moment, tu vois, la personne en elle-même et toi-même, t'es plus dans l'ambiance, t'es plus dans l'énergie de la créativité que tu avais au moment même où tu as fait ton logo. Donc, ça perd un petit peu c'est pas proactif en fait comme échange, aussi bien pour le client que pour moi-même. Donc, Ce qui est autant être dans intéressant. la réactivité, autant être dans justement cette dynamique, d'échange, de manière à ce que le travail se fasse de manière régulière et de manière évolutive. Parce que si je reviens sur mon histoire de ma cliente en question. Le boulot, le comment dire, la prestation avait commencé en octobre, elle s'est terminée en février de cette année, parce qu'entre-temps, il y a eu des espaces où pendant plus de 3 semaines, malgré des relances, elle donnait pas suite. Donc, au bout d'un moment, bah, t'as beau faire ce que tu veux, mais c'est pas constructif, quoi. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement, grâce à ces mauvaises expériences, tu as pu construire ta confiance en créant des garde-fous qui maintenant te permettent donc d'entreprendre avec une plus grande confiance, avec plus de sérénité. Mais en plus, ça t'a appris aussi à mieux te connaître toi-même et à comment tu fonctionnes. Et donc, notamment le fait que tu préfères voilà, entreprendre des logos, à faire du graphisme dans une énergie créative qui s'estompe au fil du temps. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi donc, avec ce type d'expérience. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler sur ces sujets, parce que finalement, ce sont vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, ces échecs et ces erreurs sont de formidables expériences pour continuer d'avancer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a. Il y a une discussion intéressante dans le chat, notamment à propos des droits d'auteur. Donc moi, je m'y connais très très mal. Je ne pourrais pas du tout participer à ce débat-là avec vous, si ce n'est sur la partie d'apprentissage. Et vous, quelles compétences avez-vous pu développer par rapport à vos expériences? C'est la question des droits d'auteur. Comment dire? Moi, je suis pas non plus expert dans ce domaine, mais disons que j'ai un petit peu de recul par rapport aussi c'est pas évident de suivre les deux en même temps, mais je sais qu'il y a un contrat de licence que je dois fournir avec les logos. C'est justement Olivier Monteux qui m'avait donné l'info et on l'a fait pour son logo. Moi, je pense qu'il y a une différence à ce sujet. Attendez 2 secondes. C'est mon premier live, hein, donc vous pouvez m'excuser. Je suis pas encore professionnel dans ce domaine. La question des droits d'auteur. Faire comprendre les droits d'auteur aux clients. Euh,
Je ne sais même pas si la question des droits d'auteur vient au moment de la création. Pour moi, la question des droits d'auteur, c'est une fois que le client a validé voilà, la maquette, que ça devient un droit. Dans tous les cas, si c'est à quoi je pense, vous me dites hein, dans le chat si je me trompe, mais toutes les maquettes qui sont envoyées, quand je disais tout à l'heure, merci Pierre. Toutes les maquettes que je disais tout à l'heure que j'ai envoyées à la cliente, moi déjà personnellement, je les envoie en base dev. Donc la cliente, entre guillemets, ne peut rien faire avec. Je veux dire, si, parce que bon, à la base, si tu pars du principe de faire un logo, c'est pour qu'il soit, bon là, dans son cas, c'était pour qu'il se retrouve devant une devanture. Donc à l'origine, à l'origine, ça. Il doit être fait vecteur, il doit être vectorisé de manière à être le plus grand possible. Donc moi, quand je l'envoie en mode maquette, ils sont en très basse résolution, donc la cliente ne peut rien faire avec. C'est vrai qu'il y a quelque chose à voir à ce niveau. Mais dans tous les cas, alors il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que quand on est graphiste, et ça je le dis pour moi, je suis que auto-entrepreneur. Je suis juste déclaré au niveau de la chambre des métiers dans le répertoire. Voilà. Je suis pas, comment dire, en même temps à la maison des artistes, parce que dans notre cas, à nous en tant que graphiste, il y a deux options qui sont possibles. C'est soit en gros, Jérôme, si je prends dans notre exemple à nous, en gros, tu achètes ma prestation. Donc, du fait que tu achètes ma prestation, je te cède entre guillemets mes droits. Ce qui est pour ça que derrière, il y a un contrat de licence qui est associé au logo. Si maintenant, moi, en tant que graphiste, artiste, et je dirais même encore plus loin en tant que photographe, si demain je crée, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein, le côté créativité, mais si je crée moi-même une œuvre, même si ça en devient un logo, et que demain, toi, tu vas absolument m'acheter ce logo parce que tu veux parce que tu estimes qu'il correspond à ton image. Là, tu achètes un droit. Tu vois un peu la différence? Oui, d'accord. Donc, C'est là où il y a une question de droit d'auteur dessus, quoi. ça touche un petit peu à la vision et un petit peu dans comment on se positionne dans son métier, sachant qu'on peut avoir plusieurs casquettes différentes. Hein. Par exemple, j'ai pu rencontrer Laetitia lors d'une soirée de networking, et à la fois, elle a cette facette de graphisme, mais c'est aussi une artiste. Et donc, c'est important de cultiver cette vision lorsque vous faites ce métier. Donc c'est une vraie compétence, hein, donc de développer cette vision, moi, comment je me positionne par rapport à quelle situation, et d'être vraiment pas intransigeant, mais par exemple lorsque je vous disais que là j'étais coach, l'idée c'était donc d'avoir un positionnement et de ne pas empiéter sur d'autres positions qui seraient paradoxales ou contradictoires. Donc c'est important donc voilà de cultiver cette vision, la vision de votre métier par rapport à votre cible et de vous y tenir pour que ce soit clair justement dès le départ sur ce que vous faites, sur les garde-fous que vous voulez placer plutôt que donc d'essayer donc de perdre quelque part, vous allez vous perdre et perdre le client lorsque vous n'avez pas cette vision très claire de votre positionnement. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, au mois de février, quand j'ai participé à l'espace web à Brioude, on a eu justement un avocat qui est venu nous parler un petit peu sur les droits des propriétés, les droits intellectuels, donc tout ce qui est un peu lié aussi à la création de marque, tout ce qui est lié aussi justement au droit d'auteur dans le sens où. Où on est là dans une partie créativité. Si à l'occasion, ou à moins que toi tu en as dans tes contacts, si proposer une webconférence avec un avocat qui pourrait aborder ces sujets serait, à mon avis, un sujet très intéressant à voir justement pour la suite. Alors là, justement, là pour là, y a Laetitia qui en fait remonter quelque chose d'intéressant. C'est vrai que ça permet de recentrer un petit peu cette webconférence qui était à l'origine dédiée à l'esprit d'entreprendre.
Et donc, compétences entrepreneuriales qui permettent à cette deuxième facette, plus entrepreneuriale de votre métier, lorsque vous êtes indépendant, qui consiste à justement à pouvoir vivre de votre activité et qui touche justement à comment être organisé, confiant, percutant et de toucher de nouveaux clients. Et donc, du coup, la question de Laetitia, c'est de voir comment conserver cette énergie pour rester créative et efficace dans la phase graphiste. Ben moi, ce que je me demande aussi, c'est du coup, ouais, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Voilà, est-ce que c'est vraiment le graphisme et que vous voulez faire que ça? Et dans ce cas-là, comment faire dans ce cas-là pour réussir à vous centrer que sur le cœur de métier qui vous plaît le plus? Et ensuite, comment pouvoir vous entourer, soit d'associés, soit de partenaires, soit dans votre réseau, comment pouvoir vous entourer pour essayer justement de voir d'autres personnes qui sont passionnées par ce que vous n'aimez pas faire, entre guillemets. Parce que vous ne pouvez pas tout bien faire tout le temps, tout seul. À un moment, vous serez limité. Mais généralement, les personnes aiment faire ce qu'elles font, ce sur quoi elles sont bonnes, entre guillemets. Et donc, l'idée, c'est de voir vous, où vous êtes bon, qu'est-ce qui vous motive le plus, et ensuite de voir comment vous entourer de personnes qui, elles, aiment autre chose et de créer des synergies. Donc, ça, c'est le quatrième pilier de notre méthode créée à présent dans le livre « Reflexive Skills ». Et comment vous entourer ensuite de personnes et créer des synergies pour que chacun puisse faire ce qu'il aime et avancer ensemble. Tout à fait. Et c'est clair que c'est pas tout le temps évident de rester concentré sur ce qu'on aime faire et d'être disponible en même temps pour ce que moi j'appellerais les imprévus, d'avoir un esprit justement, j'aurais presque envie de dire ouvert à chaque étape, à chaque tâche, tout au long de la journée. Et d'ailleurs, je pense, si je vais partager un peu ma méthode que tu connais un petit peu, Jérôme. Moi, en l'occurrence, et je l'ai encore vu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas appliqué, cette méthode, donc je vais vous montrer les deux exemples. Quand je suis justement dans une phase où j'ai une prestation client à faire, en règle générale, vers les 3-4 heures du matin, je suis déjà debout, parce que justement, j'ai trouvé que pendant cette période-là, cette tranche d'heure entre 3h et 9h du matin, je suis assez disponible pour être créatif, dans le sens où justement il n'y ait pas d'interférence, de bruit, de téléphone et tout ce qui s'ensuit. Donc, je crée généralement mes prestations pendant ces heures-là pour justement être disponible tout le reste de la journée. Pour justement soit répondre au téléphone, soit répondre à un tweet, soit partager des articles ou faire de la prospection. Donc moi j'ai trouvé cet équilibre là et aujourd'hui bon ça il arrive des fois où 3h du matin le réveil sonne pas ou t'as pas forcément envie de te lever et je le vois comme aujourd'hui j'ai passé toute la matinée au téléphone à conseiller justement une personne parce que ça aussi c'est quelque chose qui est en train de mûrir de plus en plus dans ma tête, de donner des conseils également parce qu'entre justement entre confrères on s'appelle, on dit voilà j'ai ça sous la main, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Et donc tout le temps que j'étais au téléphone avec lui, je travaillais en même temps. Mais ce que je faisais en même temps en prestation, je l'ai fait quasiment sur toute la journée, alors que ça aurait pu me prendre que même pas 4 heures de boulot si je me serais levé à 3 heures ce matin. Donc voilà. Donc oui, pour revenir un petit peu là sur la discussion qu'il y a eu sur le chat, justement sur le côté synergie et collaboration. Oui, moi je pense que généralement pour ce métier-là qui se font souvent en indépendant, c'est intéressant de s'entourer d'autres personnes à la fois pour pouvoir réussir à se centrer sur ce qu'on aime et donc
optimiser son énergie sur ce qui nous motive, mais aussi donc de briser l'isolement de l'entrepreneur indépendant qui est souvent facteur de dépression, de déprime, etc. et qui du coup va briser un petit peu la motivation et va briser aussi votre résilience. Parce que c'est plus facile de rebondir face à un échec lorsque vous avez le moral au top que lorsque vous êtes au plus bas. Donc voilà pourquoi je parle donc de synergie et que oui, peut-être que donc Pierre dit que c'est difficile, mais justement c'est un challenge pour développer vos soft skills. Si c'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Tout à fait. Et que les collaborations existent. Voilà, moi je collabore avec plein d'autres personnes à travers Créa Présent, la Flexoski Academy, et même Pourquoi Entreprendre. Cédric également, on a pu collaborer ensemble. Voilà, c'est possible. Et il faut voir ça comme un challenge. Et que de toute façon, même si vous n'arrivez pas à créer des collaborations tout de suite, bah, tirez un enseignement de ces non-réussites et voyez comment réussir par la suite. Vous allez voir qu'en étant dans cet état d'esprit, vous allez travailler votre pédagogie, être pédagogue pour faire comprendre l'intérêt de la synergie, de la collaboration ensemble. Vous allez aussi travailler votre discours, votre communication à l'oral ou à l'écrit, et en plus votre persévérance. Et donc, tout ça ensemble va faire de vous un meilleur entrepreneur, parce que généralement, un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui fédère une équipe. On est sur l'esprit d'entreprendre, c'est pas forcément aller tout seul. Il y a un dicton africain que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de sens pour moi, c'est « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Donc oui, c'est dur de faire des synergies, c'est dur de les entretenir, mais c'est souvent en étant en équipe qu'on va le plus loin, et surtout dans ce domaine-là. Donc voilà un petit peu mon message par rapport à cette thématique synergie. Tout à fait, tout à fait. C'est clair. Dis-moi, tu voulais réagir sur le chat, parce qu'il y a eu pas mal de discussions sur le chat en même temps. Donc, je remercie déjà aux personnes qui ont été présentes. Est-ce qu'éventuellement, vous avez encore quelques tirages de sort ? Et justement, je voudrais une ou deux autres dernières questions et après, après, promis, on va annoncer la grande gagnante du tirage au sort. Et déjà, moi, je te remercie, hein, Jérôme, de m'avoir confié les rênes de cette première webconférence. Merci d'avoir accepté de me mettre face à cet exercice qui était un petit peu dans mes habitudes en ce moment, puisque c'est vrai que ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai été mis face à des situations qui rentrent en plus, sont des choses que tout graphiste ne connaît pas forcément, dans le sens où voilà, je me suis retrouvé au salon du design à devoir faire des conférences et des tables rondes. Récemment, lors de la conférence de Lingent, pour la conférence solopreneur, et récemment pour une soirée organisée sur Clermont-Ferrand. Donc ça aussi, c'est un travail des soft skills qui seront utiles dans ton quotidien d'entrepreneur et de graphiste. Tout à fait, et je trouve, et en plus, à chaque fois, à force d'en faire, tu as cette motivation qui est là, qui te dit, tout compte fait, l'exercice est plaisant. L'exercice est plaisant et en même temps intéressant, parce que ça te permet de développer d'autres compétences où moi je le vois en même temps, par exemple pour rédiger mes articles, parce que oui, en tant que graphiste, il faut aussi avoir un blog et il faut le tenir, et donc justement ça me permet d'avoir cette motivation, cette énergie, cette créativité pour entreprendre au quotidien. Alors, est-ce que vous voulez connaître l'heureux gagnant de notre concours de ce soir? Moi je veux connaître. Tu veux le savoir? Le gagnant, c'est Case, si je dis pas de bêtises, je le prononce bien. Case, K-A-E-S, qui a assisté à cette webconférence de ce soir. Donc, je te contacterai pour te donner les marches à suivre
pour bénéficier de cette séance de coaching avec Jérôme. Bon, bah, félicitations, hein, KS. Et Un à bientôt, dernier du petit coup. mot pour la fin? Du coup, un dernier petit mot. Bah, déjà, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette conférence et qui l'ont dynamisée par leurs questions et leurs réactions. Tout à C'était fait. vraiment très dynamique et du coup, c'est excellent pour le contenu, je pense, parce que du coup, ça permet d'orienter le contenu vers ce dont vous avez besoin. Donc maintenant, bah, j'espère en tout cas que ça vous a été utile, que ça vous a plu et que ça vous aidera pour votre quotidien de graphiste par rapport à ces petits réflexes à adopter au quotidien. Et merci à toi, Cédric, donc Mais je vous en pour ton prie. invitation. Donc si vous voulez un peu plus donc de clés pour développer vos soft skills, donc vous pouvez aller sur mon site Créaprésent ou reflexsoftskills.fr. Oui, Ou sinon, pour on va la partie plus profiter pour entrepreneuriat remonter un petit peu le livre. sur Pourquoi entreprendre. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, merci à tous et on vous tient au courant. N'hésitez pas à poser des questions sur l'espace commentaire qui est juste en dessous de l'article. Et je vous dis, et on vous dit, à la prochaine. Bonne soirée à tous. Merci, à Merci. bientôt. Bye bye. Bye.